Je profite de ma présence pour vous faire part d'une action qui est engagée par l'IARU jusqu'au 31 mai, qui s'appelle le Ham Challenge. Alors, ça n'a rien à voir avec le jambon. Le principe est le suivant. On alloue une bourse. Alors, en fait, on a un prix. Donc, l'idée, c'est qu'on fait un appel à contribution de bonnes idées, techniques ou pas, qui, à la fin, conduirait à avoir plus de radioamateurs. Donc, supposons qu'un Fab Lab ait une super idée, un super projet qui fasse collaborer la communauté amateur avec une autre communauté. Vous avez ce projet, vous n'avez pas les moyens de le faire, vous n'êtes pas assez nombreux. Nous, ce qu'on vous propose, si le projet est bien, on vous le finance, on vous aide à le mettre en place, et celui qui a eu l'idée, on remet un prix. Donc, on a un financement de 500 euros pour la personne qui apporte l'idée, et on finance le projet. C'est quand même intéressant. Et donc, vous avez jusqu'à la fin du mois pour proposer l'idée, par écrit. Donc vous irez voir sur le site de l'IARU, notez simplement le hashtag, vous allez le trouver un peu partout. Le REF, l'Association Radioamateur Nationale, a diffusé cette information aussi. Donc le principe est simple, vous faites un petit mot, une description d'une page, voilà ce que moi je veux faire, d'ici la fin du mois. Les meilleures idées vont être, donc on a un jury qui va réviser ces différents, enfin faire un premier tri, et les meilleures idées auront ensuite, jusqu'à la fin du mois de juin, pour proposer quelque chose de plus structuré. Et celles qui seront retenues seront primées. Donc il y aura un prix de l'argent pour les gens qui ont proposé les idées, plus l'engagement de l'IARU d'accompagner le projet, c'est-à-dire de le mettre en place et de le financer. On a un budget pour ça, important. Donc il ne s'agit pas de projets à 300 euros. On peut faire des projets très gros. On a du financement et on peut le faire. Donc n'hésitez pas, si vous avez une bonne idée, elle est la bienvenue. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je prendrai le temps d'y répondre. Et ce sera à valoir à l'apéro après. Merci à tous.